en partance pour l'Inde dans le cadre du sommet Inde-Afrique. Le chef de l'État, avec sa délégation, a décidé de marquer un arrêt ici pour pouvoir s'entretenir avec plusieurs partenaires dans le cadre de plusieurs projets stratégiques pour le Bénin. Dans ce cadre-là, comme vous avez dû le constater, plusieurs audiences se sont succédées avec divers opérateurs et divers partenaires avec qui le Bénin est en pourparlers pour la mise en place au Bénin d'interventions qui sont dans le sens du développement de d'autres pays et en rapport avec les politiques de développement du Bénin. Dans un premier moment, il a été question d'échanger avec différents groupes sur les questions de développement de l'économie numérique au Bénin. Comme vous le savez, le Bénin est dans un vaste chantier de réforme et de transformation de l'économie numérique au Bénin pour faire de ce secteur-là, qui est un secteur innovant, qui, dans tous les pays du monde aujourd'hui, contribue de façon significative au développement. Le Bénin entend bien évidemment, à travers les actions qui sont développées ces dernières années, faire de ce secteur un secteur qui contribue significativement au budget de l'État, un secteur qui contribue aussi à la vitalité de l'économie et un secteur pourvoyeur de l'emploi. De ce point de vue, nous sommes dans la transformation institutionnelle de Bénin Télécom qui donne désormais naissance à trois sociétés différentes, Bénin Télécom Infrastructure, Bénin Télécom Service et Libercom que vous connaissiez déjà. Je crois que les échanges pour tout ce qui concerne le numérique ont été vraiment fructueux. Il est question aujourd'hui que nous puissions rassurer que c'est des réformes qui suivent normalement leur cours et le fait que le chef de l'État lui-même, en plus du travail que nous, ses collaborateurs, on faisait à la base, est décidé de prendre le dossier en main, à rassurer ses opérateurs qu'il s'agit de dossiers qui intéressent l'État au plus haut niveau. Toujours dans le domaine du numérique, comme vous le constatez, de plus en plus, nous sommes en train, avec la vision du chef de l'État, de faire des centres d'appel un sous-pôle de création d'emplois. Les centres d'appel ont l'air banal, mais lorsque vous allez dans des pays du Maghreb, comme par exemple le Maroc, la Tunisie par exemple, je donne ces deux exemples isolés, c'est un secteur qui crée beaucoup d'emplois. C'est-à-dire, ça absorbe beaucoup de jeunes qui acquièrent une certaine capacitation à pouvoir faire face non seulement au marché de l'emploi du point de vue de l'auto-emploi, mais aussi au niveau de l'emploi salarié. Qualitativement, c'est des jeunes qui sortent avec un bagage professionnel très riche. Et de ce point de vue, depuis un certain moment, le gouvernement a choisi de mettre l'accent sur les centres d'appel. Nous avons choisi un opérateur stratégique, qui est le seul privé d'ailleurs béninois qui évolue dans le secteur. Je vais parler de Media Contact. Et donc, avec les opérateurs de référence internationale avec qui le chef de l'État a eu à s'entretenir dans le domaine du numérique, il a été aussi question de savoir comment ces opérateurs peuvent être des donneurs d'ordre et utiliser le centre d'appel du Bénin. Avec la banque Laza également, il a été question du point de la mise en œuvre de l'opération de transformation de la BIBE. Comme vous le savez, la Banque internationale du Bénin est en proie à des problèmes. Et conformément à la loi bancaire, l'État a pris le contrôle pour pouvoir la recapitaliser. Et donc, entre autres missions de la Banque Lazare au Bénin, il y a aussi la conduite de cette opération-là. Et nous ont rendu compte de ce que le processus a évolué très bien. Et dans les tout prochains jours, ils feront un compte-rendu au gouvernement pour que le gouvernement sache les dernières décisions à prendre. Pour ce qui concerne l'économie numérique, voilà essentiellement ce qui a été fait. En plus de Orange, le chef de l'État a réussi encore, entre autres, toujours dans le domaine de l'économie numérique, le groupe Bouygues et d'autres opérateurs. C'est toute une section d'audience. Ensuite, il n'y a pas eu que le secteur du numérique. Le chef de l'État a reçu également en audience d'autres opérateurs dans le domaine de la construction des infrastructures. Comme vous le savez, ce qui développe le monde aujourd'hui, c'est le partenariat public-privé. Et le Bénin, à l'instar de beaucoup d'autres pays africains, s'est engagé dans la nouvelle politique de développement des infrastructures basée sur le partenariat public-privé. Et donc, de ce point de vue, dans ce cadre-là, le chef de l'État s'est entretenu avec le groupe Bouygues et d'autres groupes qui sont intéressés et avec qui le gouvernement était déjà en pourparlers. En clair, cette escale du chef de l'État a été très bien inspirée. C'est-à-dire, il a été question pour lui-même
de s'assurer personnellement que ces différents chantiers impulsés par le gouvernement et qui sont sous le contrôle de nous les ministres évoluent comme cela se doit. Et pour nous qui avons la charge de ces dossiers, je crois que c'est un grand coup de main parce que sa rencontre directe avec les opérateurs concernés a permis à ces 10 opérateurs de savoir réellement que le premier légitime du pays prend le dossier au sérieux et donc c'est une priorité pour le pays.